Yo, tu vas voir Ronaldinho sur FIFA 21, ici Monsieur Club Pro, pour vous servir. Donc dans cette vidéo, vous allez voir le build de Ronaldinho du Brésil. Et oui, vous allez danser la samba sur le terrain, vous allez vous faire kiffer. Donc n'hésitez pas à partager, à lâcher le petit pouce bleu et à vous abonner avec la clochette de notification. C'est parti! Nous revoilà devant son petit camembert. Donc là, on tire, il a 84, vous avez 91 en finition, 92 en tir de loin, 88 en volée, 4 étoile de mauvais pied. Donc Ronaldinho, on le sait très bien, c'est un ailier gauche voire un milieu offensif. Donc en passe, on est aussi très bien. 92 en vista, 93 en passe courte, 83 en passe longue. Faut favoriser le tiki-taka comme je le dis généralement. Donc les passes courtes, c'est le plus important. En effet, vous avez 88. Je pense qu'on est aux petits oignons. Je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais Ronaldinho en termes de dribble, c'est juste ouh. Tu regardais un match de lui, tu savais qu'il allait avoir des trucs dingues. Il t'inventait des gestes techniques sur le terrain. C'est de l'improvisation. Il savait même pas qu'il allait faire ça avant, c'est inné chez lui, c'est vraiment magnifique. Et je pense un joueur comme lui, on n'en retrouvera plus ou très peu parce que c'est super rare. 91 en agilité, 91 en placement offensif, 96 en conduite de balle et 97 en dribble. Là, vous allez vous faufiler, mais comme un petit faufilé bien saignant, les gars, il n'y a pas de souci là-dessus. En défense, ben Ronaldinho, ce n'est pas un défenseur, donc 65, c'est déjà plutôt pas mal. En physique, 70, vous avez 82 en endurance, 94 en réactivité. Vous allez juste taper sur le joystick, frère, il va déjà en mode serpentard, mon frérot. Là, 94 en réactivité, on est excellent. Un MOC, ça court pas non plus des masses de ouf. Mais vous avez quand même 93 d'accélération et 90 en vitesse. Son build se rapproche au mieux de sa carte fut. Pour sa taille, là, j'ai décidé de mettre 1m72, même si on sait très bien qu'il fait 1m80. Mais si vous mettez 1m80, il va perdre de la vitesse, de la réactivité et un peu de dribble. Donc là, forcément, j'ai quand même voulu l'optimiser. Ça reste Ronaldinho et j'ai vraiment envie que vous prenez du plaisir sur le terrain. C'est pour ça que j'ai fait ça. Vous mettez 53 kilos, voilà, faut que ça soit une petite plume sur le terrain. En jouabilité, ben là j'ai mis milieu offensif, hein. Pour moi, Ronaldinho, c'est l'homme à tout faire, même si on sait très bien que le 3/4 de son temps est joué en tant que milieu gauche. J'avais vraiment envie de le mettre en tant que milieu offensif et bien sûr son petit pied droit, voilà, qui fait plaisir. Même si on sait très bien que des deux pieds, ben voilà, il a un toucher de balle juste énorme. En caractéristiques physiques, ben là franchement, je n'ai rien mis. Je vais peut-être faire un build où j'ai de l'endurance à fond dedans. À savoir que j'ai remarqué un truc avec l'endurance, ça augmente aussi votre réactivité durant le match. C'est-à-dire quand il est KO, bah forcément il est un peu moins réactif. Tandis que si tu mets de l'endurance, bah là du coup tu deviens plus réactif. Mais ça, vous inquiétez pas, je vous ferai un build optimisé à ce sujet-là avec plaisir. En défense, bah là je n'ai rien mis non plus. En dribble, bah là j'ai quasiment tout mis, hein. Bon là j'ai pas mis un point d'équilibre, même si l'équilibre, on sait très bien que c'est quand même super important pour rester sur ses appuis. Mais là j'ai quand même préféré mettre les points pour autre part pour que ça soit vraiment en adéquation avec sa carte fut. En passe, bah là oui, toi-même tu sais, j'aurais bien kiffé mettre beaucoup plus en passe, mais voilà, Ronaldinho il est complet, mais vraiment comme du pain complet. J'ai dû sacrifier aussi un petit peu de passe, hein. Mais si vous savez jouer en petite passe courte, si vous avez des coéquipiers qui se rendent disponibles, ça devrait faire amplement l'affaire. En tir, ben là il a les 4 étoiles de mauvais pied. Le mauvais pied est utile aussi pour les frappes, mais pas que, parce que ça va aussi améliorer vos passes. Des fois votre joueur il va faire des passes du pied gauche ou du pied droit. 92 en tir de loin, 91 en finition, voilà, 88 en volée. Surtout qu'un MOC, surtout dans FIFA 21, ça tire pas énormément. Bon, Ronaldinho, on sait très bien qu'il marquait des buts exceptionnels. Vous pouvez toujours refaire la même directement sur le jeu, hein. Surtout que voilà, je vous avais dit que je voulais faire un petit jeu où justement vous m'envoyez vos clips directement via YouTube, hein. Donc vous mettez votre vidéo en non répertorié, vous m'envoyez le lien et je la télécharge. Et après je ferai un petit top 10 des meilleures actions que vous m'envoyez. Mais il y a quand même beaucoup de gens en fait qui m'ont envoyé directement le format téléphone. Ils sont comme ça avec leur téléphone, ça tremble à moitié. Les gars, s'il vous plaît, faites un effort. Je veux vraiment du HD, même si c'est du 720p. Faites au moins ça, les gars, si vous voulez vraiment que votre vidéo passe directement sur ma chaîne. En vitesse, ben là j'ai rien négligé. La sentence n'est pas irrévocable pour la vitesse. 93 en accélération et 90 en vitesse. C'est pas du marathon, même si des fois on peut penser que c'est du marathon quand tu vois tout le monde courir sur le côté. Bon, après à 11 contre 11 ça arrive moins souvent, mais quand tu joues à moins, t'as des bots sur le côté et tu balances sur le côté, le bot il va se trouer. Eh oui, tu connais, c'est la méta, frérot. Donc là je vais vous montrer son visuel que j'ai essayé de reproduire au mieux que possible, hein, parce qu'on sait très bien que dans FIFA 21, ben, on est assez limité et j'espère encore du fond du cœur. C'est pour ça que je me répète vraiment énormément à ce sujet là. J'espère vraiment du fond du cœur que EA va prendre en note ce que je dis. Et même s'ils veulent m'embaucher, embauchez-moi. Et oui, embauchez-moi, je suis là. Hey, EA, appelez-moi. Dites, ouais, monsieur Club Pro, j'aime bien tes idées, vas-y, viens. Tu peux m'appeler, t'inquiète, je te laisse mon 06 si tu veux, EA. J'ai des idées plein le cerveau. Donc sans perdre de temps, je vous dis à tout de suite. We'll be right back.
J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu, donc n'hésitez pas encore une fois à partager et merci aux 6000 abonnés. Franchement, ça commence à prendre des envergures que je pensais même pas et c'est grâce à vous les gars et je serai vous en remercier. Merci encore à tous, je vous dis à très bientôt, allez, ciao !